Salut tout le monde, c'est Hamgame, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 26 de The Legend of Zelda Skyward Sword. On va pas perdre de temps puisqu'on va faire une petite partie, en fait une grosse partie, mais j'ai vraiment tout coupé parce que j'ai pas mal galéré dans. Je laisse un petit peu le suspense, je parle pas très fort parce que ma copine dort à côté et nous sommes dans... Prends tout ton temps, hein. La grande caverne antique, voilà. Alors, donc, ce donjon est assez compliqué, de par sa complexité, sa progression. Je vais faire un cut qui va pas mal avancer le truc, mais entre-temps, je vais sauvegarder. Comme ça, vous voyez, au moment où j'enregistre. Voilà, c'était vendredi dernier. Alors, donc, les amis, déjà, ce qu'on va faire, c'est... essayer de faire un petit peu de rubis. Ok. Et en fait... je crois sincèrement que c'est le vrai qui va me plus me prendre la tête. Le prochain va être bien chiant aussi. Enfin, de toute façon, voilà, ça part de là que les choses vont se compliquer. Et le tout dernier... temple... je crois que c'est la tour des cieux, si je dis pas de bêtises. C'est une horreur absolue. Voilà, donc l'épisode va pas durer très long. Parce que j'ai vraiment... Ah, et voilà. Vous voyez que les lignes se retournent. Parce que vous allez voir que je vais pas mal galérer. Il y a une énigme qui va me prendre la tête. Qui, je vous mens pas, qui m'a repris une heure pour déchiffrer. Et comme je voulais que les épisodes ne soient pas cutés, ne soient pas obstrués par les... comment dirais-je... Ah putain, je suis en train de faire mal avec les nénuphars. Et comme je ne voulais pas que les épisodes soient coupés, vous savez, quand il y avait pas mal de bugs et que je gueulais, et que j'ai la très bonne idée, enfin ma chérie, elle a la très bonne idée de m'expliquer comment faire maintenant. Oh putain. Attendez, je regarde un petit peu. Ah, il y a un coffre là-haut, ok. Donc je disais, si jamais il y a un cut, surtout vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ok. Alors. Eh merde. Vas-y, ramène ta phrase, c'est bon. Ah voilà. La fameuse énigme. Il va falloir ouvrir la porte. Et pour ça, il va falloir lui frapper l'espèce de cercle bleu dans un certain ordre. C'est ça, frappe les 4 pierres dans le bon ordre, la voix s'ouvrira à celui qui trouvera, qui sera les règles de cette liste. Enfin, voilà, donc je crois que c'est gauche, non, droite, et bas, et non. Gauche, droite. Je vais voir si je peux pas trouver un... non loin d'ici... un indice. Si jamais c'est pas le cas, et bah écoutez, je vais faire un cut. Et on se retrouvera bien plus tard, au moment où on va affronter le mini-boss. Voilà, j'ai décidé. Parce que, je vous le dis, parce que j'anticipe, j'ai fait une partie en parallèle un petit peu pour m'imprégner un petit peu du jeu. C'est ce que je fais à chaque fois, ça me permettra de pas être trop perdu. Donc je fais une partie let's play et une partie personnelle, et les deux sont... vraiment, il y a... Il y a vraiment quelques temps qui les séparent. Ça me permet vraiment de pas trop me paumer. Je sais pas du tout où je suis. Ouais, c'est un peu la merde parce que là je suis un peu paumé. Putain. Je savais que ce donjon allait me faire criser. J'espère que la seconde partie ce sera autre chose. Hein. Parce que là... c'est pas possible. Bon. Voilà, reste là. Qu'il faut les jetons. Je vais voir par là s'il n'y a pas un indice, s'il n'y a pas un truc qui pourrait. Ah bah non, ça c'est ce qui pourrait. Non, je suis paumé les gars.
Attendez, je vais faire une ellipse. Parce que là, je vois pas autrement. Écoutez, je vais réessayer une dernière fois. Et si jamais ça me prend trop la tête, on se retrouvera bien, bien plus tard. Et ça, j'imagine que le coffre là-bas... Ah putain, les mini-phares, c'est super chiant. J'imagine que le coffre là-bas, ça doit sûrement être la carte du donjon. Ok, voilà. Putain, ils font chier. Toi. Allez, crève. Voilà. Ok. Bon. On va réessayer. Si jamais je trouve pas les amis, on fait une petite coupure et on se retrouve quand j'aurai bien avancé. Je suis désolé, mais je mettrai dans la description. Quelqu'un qui fait ça beaucoup mieux que moi, qui a la mode aussi fan, mais là pour l'instant, ça va me prendre la tête. Une dernière fois. Toujours pas. Bon, allez. Oh putain, les amis. Bon, alors comment vous dire, j'ai galéré. J'ai salement galéré. Pour vous, là, c'est écoulé même pas une seconde. Moi, ça fait 3 heures que j'étais sur ce putain de truc. Et en fait, j'ai dû tricher. J'ai dû regarder sur jeuxvideo.com. Sur un site Puissance Zelda, excusez-moi. Et en fait, il fallait faire haut, gauche, droite, bas, haut, si je dis pas de bêtises. Et là, on va affronter le général des Staphos. Il va me donner du fil à retordre. Oh merde. Désolé pour ça. Ok, d'accord, donc l'équipe prépare son attaque et je frappe. Lequel? Ah, là il va être chiant. Putain, il y a 4 attaques, faut que je fasse attention à ça. Ah, là. Désolé pour ça. Je commence à être mort. Merde. Oui, je sais, je suis bientôt. Heureusement, j'ai une fée. Bon les amis, pendant que le mec, le général des Staphos, est en train de disparaître, je vais faire les formules d'usage. Je suis désolé si l'épisode était très court, vous inquiétez pas, l'épisode 27 sera beaucoup plus long. J'ai fait, dans ma partie personnelle, écoutez, l'avancée, donc je sais par où aller, donc je vais pas trop galérer. Vous savez, je l'ai fait hier, donc pour moi ça... excusez-moi, non, je l'ai fait la veille de l'épisode 26, donc pour moi ce sera pas... Ce sera pas très difficile. Donc là, on récupère le fouet. Ce sera très utile pour l'avancée du jeu.
chez les formules d'usage. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Ram Game, à me laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et qui fait toujours plaisir, à me laisser un petit commentaire. Putain, ça saute, c'est vraiment chiant. À partager les vidéos, à activer la petite cloche, excusez-moi pour la... J'articule très mal. N'hésite pas non plus à liker la page Facebook, à me suivre sur Instagram HomeGamer9 et bien sûr à t'abonner à ma chaîne musicale secondaire Home Music, puisque je suis professeur de batterie et musicien de profession. Nous, on se retrouve samedi prochain pour l'épisode 27 où on va terminer la grande caverne antique et affronter un boss qui me fait sacrément peur, qui est loin d'être le boss le plus difficile, mais quand même qui est assez balèze. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Et surtout, joyeux SPAC. Salut tout le monde. Gros bisous. À la bientôt. Restez bien.